L'école obligatoire en passe de devenir réalité. Le projet prendra forme dès la rentrée scolaire 2015-2016. Il concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement compte mettre à la disposition du système éducatif ivoirien des infrastructures de qualité. À cet effet, une étude a été menée par le Comité national de télédétection et d'information géographique en collaboration avec la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette étude, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a abouti à l'élaboration d'un logiciel dénommé SIG Carte scolaire. C'est une base de données actualisée sur la position de 3734 établissements scolaires du district d'Abidjan, mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous assistons à la restitution du projet de la géolocalisation des établissements dans le Drainet 1, 2, 3 et 4 d'Abidjan. Et cela a permis en fait de pouvoir repérer chaque établissement qui se trouve sur le territoire de ces 4 Drainets, de sorte à ce que cela soit inséré dans l'outil qui a été développé au préalable, qu'on appelle SICA scolaire. Et ça devait permettre à la direction de la planification et bien entendu au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir faire la planification et puis les prévisions en ce qui concerne les créations des écoles et puis la rationalisation et puis l'accroissement de la qualité de leurs services. Souvent, lorsque nous faisons la collecte d'informations statistiques, il y a des écoles que nous ne retrouvons pas. On ne sait même pas l'emplacement de ces établissements. Et c'est ce qui nous a fait penser à une géolocalisation comme on le fait dans les pays développés. Donc c'est vraiment une innovation qu'il faut que nous exploitons au maximum. Cette carte scolaire va surtout aider l'État, les collectivités locales et les partenaires du système éducatif dans la prise de décisions et de mesures visant la bonne gestion de l'école ivoirienne.